Lorsqu'on parle de couple, c'est une question de moitié-moitié. Les deux vont former une seule chair. Et ça dépend de l'éducation des uns et des autres. Lorsque c'est une union divine, lorsque Dieu a réuni deux personnes et qui deviennent une dans le Seigneur, il n'est plus question de coder le téléphone portable. Hein? L'homme qui a de bonne moralité ou la femme qui a de bonne moralité va chercher à camoufler ça, les communications étrangères qui viennent des sérieux à son mari ni à sa femme. Donc cette histoire de code-là, ça ne porte pas bien parce que ça ne donne plus la confiance. Hein? On veut camoufler les choses. La femme peut recevoir des messages ou des fils téléphoniques ou choses-là sans consulter son mari et vice-versa. Et ça amène l'infidélité. Ça, c'est ma manière de voir la chose. Donc, il n'est pas question de coder ni le téléphone de l'homme, ni le téléphone de la femme. Lorsque le monsieur voudra avoir accès au téléphone de sa femme, ça, c'est libre. Et réciproquement, lorsque la femme voudra avoir accès au téléphone de son mari, c'est libre choix. Donc, il n'est pas question de coder. Ça camoufle l'infidélité. C'est voiler l'infidélité. Et Bédignon, si nous n'avons pas de ton veau, nous n'avons pas de ton veau. Et nous, si nous sommes dans le monde, nous avons fouillé, nous avons un portable. Nous avons fouillé, nous avons un portable. Amen. Et nous, là, nous avons en français, on appelle diplomatie. Nous, mais si nous ne pouvons pas diplomatie de comme ça, si nous n'avons rien à dire, nous ne sommes pas de bon tinadia. Nous ne sommes pas de bon tinadia, nous ne sommes pas de bon tinadia, donc tant tout. Quand nous sommes là, 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 nous sommes mais il faut voir, il y a un numéro de et si tirer, vous avez un corps cabinateur. Et si tirer, vous avez un bloc financement. Et si tirer, vous avez un bloc diplomatie, bloc marketing, bloc collègue donné, bloc moto, bloc et donc vous, ça m'a et donc vous, et si tirer, vous, et tirer, vous. À mon avis, mais vous avez un combat, vous avez un temps, vous avez gagné des dix. Qui ont besoin de vous, avez besoin de vous, avez besoin de diplomatie de vous. Moi, ah, na oui. À mon demi, d'amis, de la dix, en contre, mais une 4 ans, de me donner la voiture à Daoui. Au moins, je suis un peu plus de temps. 3 heures, pas si tu peux, pour pas taper la sonne, bah si quoi des fois non moi sommes à New York en Europe quand tu es là bon dimanche simtier non disons les gens de Dieu actuellement dit bon quand même là quoi mais on y a copine dans les bisez un bico et là t'as qu'à voir déjà au drap sur les soirs là déjà et bien sûr mon réseau est au fil de vous mais à continuer et ton mari donc mais pourquoi à continuer chez maintenant non ma blonde moi bon si moi non le côté quoi pas si tu es comme là d'attirer donc parce que nous on va privilégier et appelle mille à ton mille. Bon, même les coussins, ils l'ont mis. Donc, on a fait un appel hier, 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 on a fait un appel hier. Parce que ton âge est là, on compte ton bif facilement.
parce que nous nous créons. Nous nous créons à Thomas Oui, la femme peut mettre son code. Oui, l'homme peut mettre son code. Ça dépend. Si l'homme n'est pas ouvert à sa femme, il peut coder son appareil afin que sa femme ne sache ce qu'il fait en dehors du foyer. Mais dans le mariage, au foyer, vous êtes devenu pour le meilleur, pour le pire. La femme, la confiance y est. Vous êtes un. C'est-à-dire, ce que l'homme a de caché, la femme doit le savoir. Et ce que la femme a de caché, l'homme doit le savoir. Maintenant, pourquoi veux-tu coder ton portable afin que ta femme ne sache pas le code de ton portable? Tu peux coder ton portable, oui, pour que tu ne le gardes pas, pour que tu ne le laisses pas au service, tu ne le laisses pas ailleurs, pour que quelqu'un l'ouvre vite et rentre. Mais à ta femme, tu peux dire voilà, voici mon code. Si au départ, il y a amour, le code de téléphone de l'homme doit être connu par la femme et le code du téléphone de la femme doit être connu par l'homme. Je dis bien, s'il y a le vrai amour et la sincérité dans les faits, amour, sincérité et fidélité. Si les trois conditions là sont réunies, alors là, libre cours. Mais nous connaissons l'homme grand H, c'est-à-dire l'homme et la femme, la sincérité n'y est plus, la fidélité n'y est plus. L'amour d'aujourd'hui, surtout avec les jeunes, c'est le sexe, amour de la bouche, mais pas du fond du cœur. Alors là, je dis bien, l'homme ne doit pas livrer son code à sa femme. Et la femme ne doit pas livrer son code à son homme.